Viens faire coucou ma vie. Ah, j'aime trop son maillot. Après, je vais te voler le haut. Il est trop beau ton maillot. Tu sais que tous tes maillots, je vais te voler le haut pour faire des photos. Oh my God. Salut, je vais aller faire mes photos dans l'eau pour être encore plus critique et bisous. C'est tellement ça mon intro. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Allô. Attendez deux secondes. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve avec une icône sur ma chaîne. Une icône, ça fait plaisir. Ouais, ça fait littéralement 2 ans qu'on se connaît. On n'a jamais fait de vidéo ensemble, genre juste. C'est notre première vidéo ensemble. Quelques petites apparitions dans des vlogs, mais des rien petits de plus. Donc aujourd'hui, vu que Litane, sa passion c'est la mode, il aime bien faire du shopping, etc. Je me suis dit pourquoi pas lui demander de me relooker à sa façon. J'ai trop hâte. Vraiment, vous êtes pas prêts parce que j'ai préparé une tenue iconique, genre vraiment ça va grave changer d'habitude. Donc du coup pour ce qui est maquillage, vu que c'est pas trop son domaine le make-up, je peux quand même essayer de faire quelques trucs, genre sur les yeux, le fard à paupières et tout. Donc je lui mettrai un petit peu de fard à paupières, ça va, mais tu me laisses comme ça, genre teint et tout, on verra. Non, tu me démaquilles pas, j'ai mis 3 ans. Non, je te démaquille pas, mais je rajoute quelques trucs sur mes sourcils. Sur mes sourcils. Sur tes paupières, mais... sur tes joues. Faut que tu sois badass, genre. Badass, ok. Je vais la transformer vraiment en badass Instagram. Du coup, il y aura aussi une vidéo sur la chaîne de Litane. Je vous la mettrai en barre d'infos. On espère que ça va vous plaire. Et on laisse avec la suite de la vidéo. Donc là, c'est bon. J'ai pris une autre caméra à emporter pour que ça soit plus simple. Et voici le fucking dressing de Litane. Dressing. Je suis chauve là. Du coup, la première chose qu'on va choisir, c'est le pantalon. Le pantalon? J'ai grave envie de faire un truc que genre t'oserais pas mettre. Vas-y. Je te fais confiance sur le look. Hein. Genre, après, on prendra une photo Instagram. C'est l'été, on pourrait peut-être mettre un petit peu de couleur. Le pantalon violet mauve. Du coup, je lui ai choisi ce pantalon. C'est un pantalon Adidas en collab avec l'artiste Ji-Won Choi. C'est vraiment trop beau. C'est iconique comme pantalon, genre vraiment. Mais ça... en fait, moi, je fais 20 cm de moins que toi, donc. Bah, ça va tomber, genre, ça va être trop beau. J'adore. Pour aller avec ce pantalon, je vais te mettre une grosse paire de dad shoes. Les Gucci Flash Trap, genre. Je suis choquée, elles sont magnifiques par contre. C'est pas celles que je t'avais volées à Paris? Si, je crois. Oui. Mais elles sont trop belles. Genre, je l'avais pas volé, en mode je les avais mises. Genre, je l'avais volé, en mode je voulais les cacher et tout parce que, genre, il tenait grave à cette paire de chaussures. Elles sont trop belles. Grave, elles sont vraiment magnifiques. Trop matérielles. Trop devant la veste et le haut. Vu que c'est quand même des pièces assez imposantes, on va jouer un petit peu soft sur le haut. On dirait Christina Cordula, genre. On va partir sur un petit t-shirt blanc. Je vais être dégueulasse. Peut-être ce t-shirt genre Vogue Skateboard. Et ensuite, avec, pourquoi pas. Mais tellement. Ça peut être trop beau. Mais par contre j'ai pas de soucis, faudrait que j'aille en chercher un. Ah mais c'est vrai que toi t'aimes trop les accessoires. Je suis choquée là, il m'a ramené. C'est vraiment genre ma pochette à accessoires. En fait t'as que des lunettes dedans. J'ai que des lunettes et des bijoux aussi un petit peu. Je sais, première acquisition. Non. Les fameuses que vous avez vues sur Instagram. Toi vraiment qui te suivent mes abonnés? Ok, j'avoue ils me suivent pas. Les fameuses lunettes flammes. Oh, putain, elles sont magnifiques. Elles sont trop belles. Ça va être vraiment, trop beau. Elle est iconique. Donc là, c'est parti. Je vais aller me changer et je débarque après. Comme ça, je te fais la surprise et tout. Coucou ma petite Julie, je te fais cette petite vidéo pendant que tu te changes. Je voulais juste te dire que t'es une trop bonne personne. T'es toujours là au bon moment pour nous faire rire et tout quand il faut, quand on n'est pas forcément bien. Tu comptes beaucoup pour moi et j'espère que notre amitié va durer. Love you. Mon dieu. Oh mon dieu, je suis choquée. T'aimes bien ou pas? J'adore, on dirait moi. Mais ça va pas de me voler mes vêtements. Oh, t'aimes bien, regarde, j'arrive pas à marcher avec. Oh mon dieu, c'est iconique. Viens, on va montrer à Léa, genre. On va montrer à Sensei. J'arrive pas à marcher avec tes Gucci, elles sont trop lourdes. Ça lui va trop bien. Fais voir. Oh my god. C'est iconique. Genre vraiment. Dan. Bouge ton cul. Maintenant on passe au make-up. Bon, maintenant qu'on a la tenue, on va passer au maquillage. Est-ce que t'es contente de la tenue déjà? Ouais, par contre c'est vraiment pas mon style. T'oserais pas sortir dans la rue comme ça? Jamais de ma vie je sortirais comme ça, mais vraiment. Comme tu sais comment je m'habille, moi c'est basic genre. Le maquillage de Sensa. Ouais, tu lui as dit ou pas? Non, je l'ai pas dit. T'estompe avant, faut que tu tapes là. Mais pas sur moi. Tu referas tes yeux je crois pour ma vidéo. On dirait qu'elle a une queue de pigeon dans l'œil. Cette couleur est moche. Mais il faut que t'estompes avec ça. Genre comme ça. Hop, t'estompes. Bah c'est pas beau. Je sais pas pourquoi elle a acheté ça. Mais ça fait gros sur les lèvres. Vas-y. Mais en beaucoup. Hein. Kylie Jenner, elle a de très grosses lèvres. Je suis Kylie Jenner. Bah je ressemble à Kylie Jenner. T'as pas trop mis? Non, il en manque. Litane, vraiment. J'ai mis 3 heures à faire mon teint ce matin. Si tu me le gâches. Je referai. Non, souffle-moi sur les lèvres. Ça pique. Qu'est-ce qu'on peut faire pour les cheveux? Ça pique. J'avoue que pour les cheveux, je pense que je vais lui laisser comme ça. Parce qu'au début, je voulais lui faire genre 2 petites boules, mais t'as les cheveux trop lisses. C'est ça.
J'ai les cheveux trop fins aussi. T'as les cheveux super lisses et fins. Ça brûle. Vidéo. Regarde comme ça. Il fait chaud. J'avoue que c'est iconique. En vrai, le trait noir, ça fait quelque chose. Ça le trait noir, ça fait quelque chose. Bravo, Lita. Donc là c'est tout pour cette petite vidéo, dites-moi en commentaire ce que vous pensez du look que m'a concocté Lital. J'espère que vous allez aimer quand même, t'aimes pas? C'est pas mon délire en fait. Donc voilà, j'espère vraiment que la vidéo vous aura plu, si une vidéo avec Lital vous plaît n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Sur ce je fais vraiment d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peace. Bye. Peace on dit. Bah moi je dis bye sur ma chaîne. Ouais c'est ta chaîne. Peace.